Salut à tous, vidéo musique culturelle épisode 10. Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement d'un album que j'aime bien écouter, qui n'est pas super connu, je pense, surtout pas, surtout on n'attendait pas la Beth Gibbons, parce que c'est elle dont on va parler, de ce genre d'album. C'est l'album Out of Season qu'elle a sorti avec le guitariste, le bassiste de Talk Talk, Paul Webb, connu sous le surnom de Rusted Man. C'est l'album Out of Season. Voilà. Désolé, c'est des petits reflets. Je vous montre le dos de l'album. Donc, comme je disais, il est sorti en 2002. C'est l'album que j'ai découvert beaucoup plus tard, aux entre 2008, 2009 ou 2010. Là, ce sera dans le cadre. J'expliquerai comment j'ai découvert, en gros, le trip-hop. J'aime bien ce genre, même. Je ne suis pas aussi fanatique que pour le métal ou d'autres genres de musique. Je suis un peu plus, fine gueule dans ce domaine. C'est un album que Beth Gibbons a sorti pendant le hiatus qui a suivi l'album live, et entre l'album live et l'album Sort de Portishead. Bien sûr, si on pense à Beth Gibbons, on pense à Glory Box, à Mysteron, à Sour Time. C'est vraiment des morceaux, sa voix rock, sa voix cassée, sa voix éraillée, si on peut dire ça comme ça, s'exprime vraiment. Mais là, elle avait envie de sortir un album solo, c'est son choix le plus absolu. Et là, c'était un peu plus orienté folk, un peu plus jazzy, un peu plus... pas pop, mais presque. C'est vraiment un album qui est très doux, très calme, presque à l'opposé des musiques un peu plus excitées d'un Sour Times, d'un Glory Box, d'un autre titre de deuxième album, de Portishead. Donc on est vraiment dans un album qui est calme, qui est reposant, qui donne presque envie de se poser quelque part, de fermer les yeux et de se laisser porter par la musique. C'est un album que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très connu, je pense, de Beth Gibbons, que pour nombre de personnes, Beth Gibbons, Portishead, et on n'en parle plus. C'est comme pour certaines personnes, Lisa Gerrard, Celeste Kendens, on ne parle plus du reste. C'est un peu réducteur, et ça qui est dommage. Parce que ce sont deux artistes qui ont eu quand même des carrières en solo, même si Beth Gibbons n'a fait que peu de solo. Donc c'est un album que je vous conseille vraiment. Je vous mettrai sûrement un lien vers soit Mysteries, soit Tom the Model, qui sont des titres de l'album. Dans le descriptif. Donc c'est un album que je vous conseille vraiment. Si vous aimez un peu la voix rock de Beth Gibbons, écoutez cet album. Vous êtes souvent trouvable sur Deezer ou compagnie, ou trouvable d'une autre manière, ça c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc essayez d'écouter cet album. J'ai découvert quand j'ai travaillé dans une association de lutte contre l'illettrisme. J'ai une collègue qui était fan de musique un peu underground, trip-hop et autres trucs comme Dead Can Dance qui m'a fait découvrir. Bref, passons sur tout ça. Donc, si vous recherchez un album de Beth Gibbons, une chanteuse avec une voix rock, mais qui reste un peu doux, qui vraiment est reposant, qui vous permet de vous poser sur votre lit et puis de vous laisser porter, essayez Out of Season de Beth Gibbons. Sinon, mais pas bien grave, écoutez quand même. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye!